Salut Dragon, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo de routine à faire avant de faire sa séance de jambes pour avoir plus de mobilité au niveau des chevilles et au niveau des hanches. Parce qu'en fait, dans la dernière vidéo qu'on a fait de jambes, on a eu cette demande. Donc je me suis dit, bah moi vu que je vais faire les jambes aujourd'hui, je vais vous la faire. Et Joe vous en fera une aussi à sa manière. Donc en fait, c'est pour les chevilles, ceux qui ne peuvent pas avoir ce genre de basket. Ça aide quand on n'a pas une mauvaise mobilité des chevilles pour le squat et tout. Donc si vous n'avez pas ça, eh ben faut travailler sa mobilité et je vais vous montrer comment. Allez, c'est parti. We'll be right back.
Bon les dragons, c'était une petite routine à faire avant sa séance jambes pour gagner un peu en mobilité de cheville et au niveau des hanches. Pour ceux qui n'ont pas ces chaussures, mais même ceux qui ont ces chaussures, vous devez le faire aussi. Donc faites-le à chaque fois que vous faites votre séance de jambes ou même quand vous êtes chez vous, quand vous travaillez la mobilité, vous prenez un quart d'heure pour travailler la mobilité, la souplesse, tout, c'est très important. Vous aurez plus de facilité pour vos entraînements, en général, que ce soit jambes ou haut du corps. Donc voilà, j'espère que la routine vous a plu. Il y aura tout, de toute façon vous avez vu normalement, il y a tout le descriptif en bas de la vidéo, le nombre de répétitions, le nombre de secondes qu'il faut rester en isométrie sur certains exos. Donc voilà, donc les gars, partagez, mettez un pouce, activez la cloche pour ceux qui ne l'ont pas fait et surtout likez, c'est très important pour nous pour que la vidéo tourne et puis que la partagez aussi quoi. Et surtout n'oubliez pas les gars, no fake, just training.